Salut, salut tout le monde, bienvenue, c'est l'Archangélion. Voilà, on est dans la phase. Alors, je vous présente le nouveau arrivé, Starfield. Il fait beaucoup parler de lui, et pas combien. Mais bon, on commence à avoir un peu l'habitude avec les promesses de Todd Howard qui ne sont jamais tenues. Je parle évidemment de Starfield, de Bethesda. Un des jeux, des derniers jeux sortis donc, puisque officiellement il sortira dans quelques jours le 6 septembre, et moi je l'ai en accès anticipé. Enfin, je l'ai acheté en accès anticipé, parce que je suis un dingue. J'avais à l'époque adoré Skyrim. Je ne sais pas ce qu'on peut penser de Starfield. Je ne sais pas si à la fin de cette vidéo on pourra véritablement se faire une idée de ce qu'est Starfield. En tout cas, j'ai l'impression qu'il est un pas en dessous de No Man's Sky. Graphiquement, il doit être plus beau et plus abouti. Mais techniquement, j'ai l'impression quand même que malgré sa promesse des 1000 mondes, il sera en dessous techniquement de No Man's Sky, qui lui permet vraiment pas mal de choses. Alors, faut pas oublier que Bethesda n'est pas son premier coup de maître en intox. Notamment après Skyrim, on a pu avoir Fallout 4 qui était sorti déjà avec pas mal de bugs. Le problème en fait des Starfield, c'est que des Bethesda, des jeux Bethesda, la plupart du temps, c'est qu'ils comptent beaucoup sur leur communauté de modeurs, sachant qu'ils ont des passionnés qui viendront corriger pas mal des erreurs qu'ils font. J'espère qu'on sera pas sur le même modèle avec Starfield. D'autant qu'il sort dans la lignée de différents jeux, notamment Tokyo, je sais plus quoi, Ghost Tokyo, un truc comme ça, Hero Loop et non, c'est Deed Loop ou Hero Loop, je me rappelle plus. Enfin, un autre jeu qui avait pas très bien marché. Je passerai sur le Fallout 76. Est-ce que ça calme le son? Ça m'a pas l'air. On va aller voir au niveau options. Donc vous avez la jouabilité, vous avez l'affichage. Donc moi tout étant faible parce que mon réseau commence à être un peu mort. L'interface, les commandes, les raccourcis, l'audio. Alors l'audio. L'audio, on va mettre à 50, on s'entendra mieux. Hop, 50, voilà. Je pense que ce sera bien pour découvrir. Et l'accessibilité, évidemment. Que des sous-titres. Ouais, ok. Donc comme je vous disais, donc faut savoir que Starfield est dans la lignée de pas mal d'autres jeux, notamment Deathloop. Ouais, c'est ça, c'est Deathloop. Et le dernier en date, après Fallout 76, qui a été aussi une catastrophe à sa sortie. Je sais pas où il s'en sort aujourd'hui, mais faut pas oublier aussi qu'ils ont participé à Redfall, qui est une véritable arnaque. Actuellement, il semblerait que les développements aient commencé sur le nouveau, j'allais dire Skyrim, mais non, c'est Elder Scroll. Le prochain Elder Scroll, donc d'ici 2-3 ans, on devrait le voir arriver. Et encore, ça c'est si mettre les bouchées doubles, parce que sinon, je pense qu'on peut l'attendre un peu plus tard. Donc là, on va aller voir un peu. On va se faire une idée tous ensemble de ce que c'est. Comme vous avez l'habitude, hein, le format. Alors, commencer une nouvelle partie, mais tout à fait. Bon, en tout cas, il sera certainement plus beau que No Man's Sky, ça c'est sûr et certain. Du moins graphiquement. Téléchargement. J'espère que tout se passe bien pour vous.
Étanchéité, ok. Oxygène, ok. Fais simplement comme la dernière fois et ça ira. N'oublie pas de suivre ma règle de base. Alors, c'est quoi ma règle de base? Écoute, Eline. Bosseline a toujours raison. Exactement. Écoute-moi. Le minage est un boulot comme les autres. Lentement, mais sûrement. On progresse et on rentre chez soi les poches pleines de crédit. Ouais, carrément. C'est pareil que bosser dans le vaisseau. Sauf qu'il y a plus d'émoulements, de lasers et autres démembrements. Vraiment utile. Merci. Oh, tout ira bien. Votre première sortie était nickel. Et puis, soyons francs, on doit être ingénieur pour ça. C'est pour ça que je le garde. Il s'est bien motivé. Ouais. Et parce que je peux repérer un gisement d'hélium à 300 mètres de profondeur. C'est pas faux. C'est dommage qu'on n'en trouve pas ici. Mais grâce au gisement de métal, on pourra payer notre propre hélium. Et puis après ça, on aura assez de carburant pour passer d'un des systèmes occupés à l'autre sans problème. Ouais, plus de minéraux, plus d'argent. Et ainsi le cycle se répète. Juste, plus d'expéditions non autorisées dans le territoire Baroud, d'accord? C'est carburant bébé. Il y a des métiers plus pénibles. Tu sais, la plupart des poudreux ne vivent pas aussi longtemps. J'ai un bon pressentiment pour toi. Je vais en perdre un gros bout après le boulot. À ces jours et l'heure, je vais vraiment te laisser sur place. Et encore des promesses. Alors, nouvelle mission, petit pas. D'accord, donc c'est le champignon. D'accord, bon, c'est assez classique. D'accord, on saute avec Y. Il y a moins de règles. Un boulot comme ça dans l'Union coloniale, on serait noyé sous la paperasse. Il a pas aimé, hein. Il n'y a rien là. On va avancer. Ok. Une bombe de peinture. Ça lag, hein. Ça lag vachement là. Je crois que mon système est à la limite, hein.
Ah, une excavatrice. Ok. Je sais plus de qui faut aller par là. On va voir. Je pense qu'on a bientôt fini. J'ai entendu dire que c'était le dernier jour. Je suis occupé là. Il n'y a personne d'autre à déranger. Ok, donc c'est comme ça que ça marche. Ouais, c'est vraiment pour dire qu'on l'utilise, quoi. Ah, ils ont pété. Ils ont pété une paroi. Ouais, ça lag. D'accord, c'est moi qu'ils attendaient. Évidemment, je vais taper là où il faut, je parie. Ça s'est récupéré. J'en ai pas oublié là. Ah ouais. On va essayer de récupérer un maximum de choses avant.
Ah, c'est une arche. Ok, donc là on est dans... Ah ok, d'accord, c'est comme ça que ça marche. Bon écoutez, ce qu'on va faire, je vais vous laisser. Je vais faire le personnage de mon côté. Et de toute façon, comme vous voyez... vous avez l'idée biométrique, donc ça doit être le style du personnage. Derrière, vous avez le corps, derrière, vous avez le visage, vous avez les antécédents, les traits. Voilà. Donc, en gros, je vous laisse et je vous reprends juste après. J'espère que j'oublierai pas d'ailleurs. Allez, à plus. Bon, je vous récupère, j'en ai fini avec l'aspect physique, en gros, oups, la boulette. En gros, voilà ce que ça donne. C'est un peu ce qui se rapproche le plus de moi, même si c'est pas moi. Je suis pas aussi beau gosse. Par contre, je voulais vous montrer, c'est les antécédents. Donc comme vous voyez, il y a agriculteur, chasse... Et donc vous avez à chaque fois trois compétences, forme, balistique, gastronomie. Je pense que je vais partir vers celui-là. Non, pas celui-là. Crapule de l'espace plutôt. Certificat pistolet, pilotage et persuasion. Je trouve que c'est ce qu'il y a de mieux. Après vous avez cybernétique, vous avez diplomate, vous avez enseignant, enseignement, exploration, grande cuisine, industrie, médecine, combat, piratage, pèlerinage... Sculpture, service de sécurité, soldat, transport. Ah, vite crime. Vol, box et fusil à pompe. Non. Duel, furtivité, récupération. Oh, la voix du Ronin est pas mal. Laser, analyse, forme. Bien-être balistique, pilotage. Ça peut être pas mal aussi ça. J'hésite entre ça et ça. Bon allez, on va prendre ça. D'accord, on peut en sélectionner qu'un. Je vérifie au cas où. ADN Alien, vous avez signé pour participer à une expérience controversée visant à mélanger de l'ADN humain alien. Conséquence, vous débutez votre aventure avec des points de vie et un oxygène plus élevé, mais les objets de soins et nourriture sont moins efficaces. Waouh.
Adulation héroïque, vous avez gagné l'admiration d'un fan dévoué, agaçant qui apparaît aléatoirement et vous tient la jambe. Le côté positif, c'est qu'il rejoindra l'équipage de votre vaisseau et vous offrira des cadeaux. Ouais. Avis de recherche, quelqu'un a mis votre tête à prier et la nouvelle s'est répandue. Des mercenaires armés apparaîtront parfois pour tenter de vous tuer. Mais être au pied du mur a parfois ses avantages. Si votre santé est basse, vous infligerez des dégâts supplémentaires. Alors, cocon familial, vos parents sont en vie et en bonne santé et vous pouvez leur rendre visite chez eux. En contrepartie, 2% de vos crédits leur seront automatiquement envoyés chaque semaine. Empathie. Vous êtes profondément en phase avec les émotions d'autrui. Effectuer des actions plaisantes à vos compagnons augmente temporairement votre efficacité au combat. En revanche, effectuer des actions qu'ils désapprouvent aura exactement l'effet inverse. En patte, je le suis un petit peu quand même. Alors, ensuite... vous êtes très sociable, l'effort physique consomme moins d'oxygène lorsque vous voyagez avec vos compagnons humains, mais davantage lorsque vous êtes en solitaire. Oh non. Introverti, vous préférez la solitude, les efforts physiques vous demandent moins d'oxygène quand vous êtes, mais plus lorsque vous voyagez avec des compagnons, non cumulable avec extraversion. Vous êtes propriétaire d'un luxueux appartement personnalisable sur une planète paisible, mais vous avez un prêt de la banque, donc vous devez rembourser une partie tous les 7 jours. À l'horreur. Durant la vraie vie. Origine Libera Astra, où vous avez accès à des options de dialogue spéciales de la Confédération Libera Astra. Ainsi et qu'à de meilleures récompenses pour certaines missions confiées par cette faction. Cependant, les crimes commis auprès d'autres factions vous valent un prix bien plus élevé. Vous accédez à des options de dialogue spécial, une union coloniale, roi des rues néon. Ça vous donne accès à un dialogue. Ok. Terre ferme. Vous ne parvenez pas à vous acclimater à l'espace. De temps en temps, vous avez un membre d'équipage spécialisé dans un certain système de vaisseau. Ce système se réparera automatiquement et entièrement lorsqu'il est endommagé à plus de 50%. En contrepartie, recruter des membres d'équipage est 2 fois plus cher. Waouh! Tête dans les étoiles, votre corps s'est parfaitement acclimaté à l'espace. Point de vie, oxygène augmente dans l'espace mais réduit surface. Voilà. Toute votre vie vous avez été adepte de lumière. Vous bénéficiez d'un coffre spécial rempli d'objets dans la maison des lumières. Vous perdez l'accès au coffre Sanctum Universum. Ok. Universel. Ok. Toute votre vie, vous avez vénéré le serpent qui augmente temporairement l'oxygène, mais... Ah, c'est tout ce qu'il y a? Ok. Donc ça et ça, non. Tête dans les étoiles. Tyran, terre ferme. Roi des rues, néon. Introverti.
On va prendre ça, on va rigoler un peu. On va prendre ça. Ok. Tac tac. Alors, le nom. Alors, nom du personnage. J'avais presque oublié ta candidature. Le seul mot que j'avais sur ton dossier, c'était Mia Brandet. Bon, t'as récupéré l'échantillon. Le client est en route, on va pouvoir être payé. Tu te souviens de ce qui s'est passé? Ce qui est sûr, c'est que t'as perdu connaissance. Pour le reste, je pense que ton cerveau t'a joué un mauvais tour. En tout cas, on a obtenu ce qu'on cherchait. Tout ce bazar pour cette bubble ridicule. On dirait pas que c'est de la valeur. On s'en fiche de son apparence. Ça vaut plus que tout ce qu'on a excavé ce fois-ci. On va être... Tiens, quand on parle du loup... Attendez, le groupe explorateur. Je crois que c'était plus une blague qu'autre chose. C'est pas une blague. Il est juste trop jeune pour tout savoir. Et je dis simplement qu'ils ont une certaine réputation. Sérieux, je parie que la moitié de l'équipe pense que c'est... Voilà, ça n'a pas l'air d'aller. J'imagine pas que ce sera toujours aussi facile. La prochaine fois, on aura peut-être droit à du gaz toxique. Vivement la fin de journée. Waouh. Ah ouais, ça lag vachement. Mais bon, ça c'est ma config qui commence à... Bon, puis d'un autre côté, je fais pas du tout ce qu'il faut. J'ai un sachet quelque part. Ouais. T'as besoin de quelque chose ?
D'accord, il y a des trucs qu'on peut récupérer. Avec tous les dangers qui existent dans l'espace, on oublie facilement de l'accumulation de CO2 dans notre respirateur. C'est une grave erreur. Mais la petite quantité de CO2 qui s'accumule au cours de la journée peut vous être fatale si vous ne faites pas attention. Courir devient plus difficile, agiter sa découpeuse prend une respiration de plus que d'habitude et un tunnel s'effondre. Et si un tunnel s'effondre, vous allez devoir vous déplacer aussi vite et sur une aussi longue distance que possible. Investissez dans le bon casque, croyez-moi. Si t'insistes, je pense qu'il va avoir du craft, donc je vais essayer de récupérer tout ce que je peux. Ah, il a du mal, hein. Ouais, vraiment du mal. Voilà, on a tout récupéré, ouais. Ok. Il y a encore quelque chose ici. Si tu veux un conseil, apporte ta propre combi la prochaine fois. C'est mieux de choisir son matos soi-même. Journal du superviseur. Deuxième jour d'extraction sur Vectera pour le pont d'Argos Extractor, propriété de la Confédération Liberastra, identifiant Beta 7548 Alpha. La mise en place sur le site s'est déroulée sans accroc ou presque. Nouveau record pour nous. Ah, je vais vraiment tout nettoyer, hein, je vous le dis d'emblée. Hein. Ok. Ok. Je sais pas si c'est utile, mais bon. Ouais, je sais, mais j'ai faim. Ça m'intéresse pas, insiste pas. Je suis occupé, on se parle plus tard. On t'attend ailleurs?
occupé, là. La fiche est occupée, là. Personne ne peut te déranger. Ouais, ça va, ils m'attendent. Comment t'as deviné ici? Ils t'ont fait croire à leur super brochure? Ouais, c'est chaud quand même. Hein. Plus personne qui jouera aux fléchettes, c'est dangereux. D'accord. J'ai fait voler un truc là. Ouais, ici. Ok, rien d'autre. Bah, je crois que la boss elle va regretter de m'avoir engagé. Parce que je vais lui piquer tout ce que je peux. Bon, je crois que c'est bon. Ah non. Il y avait encore un truc là. On peut pas ouvrir ces trucs là. Ouais. Les mineurs sont pas les plus accueillants qui soient, mais ils ont un bon fond. Ah ouais. Je vois. Ok. C'est chaud quand même. D'accord, c'est comme ça que ça marche.
Ouais, non, non. T'inquiète. Pas ce qu'il me fait là. J'ai l'impression que les journées sont de plus en plus longues. Argos nous étend jusqu'au dernier crédit. C'était une bonne opération. T'as eu de la chance de tomber là-dessus. Je sais pas pourquoi il a tendance à m'amener là-haut là. Ça va avoir tendance à m'énerver assez. Waouh. Bon après je change. Ah oh. D'accord. Bon après vous mettez pas trop sur les images non plus en disant ouais c'est dégueulasse. Ma config elle a de plus en plus de mal à suivre. Donc il y a aussi une partie qui est de ma faute en lien avec la config que j'ai. Il va falloir que je change. Mais ça demande un sacré investissement. Pour l'instant j'y réfléchis. On m'a config à 10 ans aussi. Ok. Oh, tu te calmes, Gérard. Waouh. Ouais, toi, tu vas te calmer déjà, tu me parles pas comme ça. Waouh. Il se passe quoi là? Ah, c'est chaud quand même. Va falloir faire gaffe à vos configs, hein. Waouh, 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 waouh! C'est quoi ce truc?
Oui, bon, bah, c'est pas la peine de faire la tête. Hein. Ah, c'est chaud. C'est vraiment très chaud. Ah mais si tu te mets devant... Ah ouais mais si ça commence à faire ça, ça va pas le faire, ça va pas être jouable. Oh la vache! Oh le tournis! Ah bah ma tête aussi hein. Ouais, c'est pas jouable du tout là. Non mais j'arrive même pas à viser quoi. Oh c'est chiant. Et allez, c'est reparti. Oh, c'est chiant. Thank you.
Bon, en tout cas, c'est pas un challenge, hein, les... Oh là là, ça, ça va m'énerver, par contre. Je peux pas aller le chercher. Ah bah c'est nouveau. Ça y est, ça commence. C'est bon. Waouh. Bon, c'était pas glorieux, hein. Est-ce qu'il y en a d'autres que j'aurais pas vu? Il y en a un qui s'est flingué là-bas derrière les barrières. Là on peut pas passer, là on peut pas passer. Il est là. Ah si, on peut passer. Ok. Alors je sais pas pourquoi ça tourne dans tous les sens là. Il doit y avoir un truc. Allez mec, tranquille. Voilà. Non.
Je vais finir par le tuer. Ok, ça c'est les emplacements vides. Ok. Parler à Barrette. Carte stellaire, compétences, inventaire. Nouveaux objets. Je sais pas à quoi ça va m'être utile, mais bon, sait-on jamais. Sniper, faut que je le prenne. J'ai pilotage au fait. Pilotage. D'accord, ça marche pas en rang. Certification de jetpack. Donc, ok, sécurité. Système de ciblage. Bouclier. Chargement. Moteur. Système arme énergie. Arme à missile, système d'armes particules, robotique, conception. Ah, conception vaisseau. Ingénierie aérospatiale. Système arme EM. Électromagnétique. Entraînement offensif jetpack. Système balistique. Ok. Science, j'ai rien. Certification pistolet, laser, duel, balistique, fusil à pompe, certifié fusil, rayon à particules, neutralisation, certificat arme lourde, démolition, adresse au tir, rechargement rapide, sniper il me le faut. Comment tu fais pour... Sniper il me le faut. Visée, tir précis, tir de précision me le faudra aussi. Commerce, gastronomie, persuasion, récupération, vol, négociation, isolement, intimidation, diplomatie, tromperie, provocation, leadership, gestion d'avant-poste, ça il me le faudra aussi. Commandement de vaisseau, manipulation, box, forme, furtivité, furtivité me le faudra, haltérophilie, bien-être, résistance à la douleur, dissipation, régénération cellulaire, décontamination, arts martiaux, régénération, régénération ça peut être intéressant. Dissimulation, ok. Ouais, c'est cool. Ok, c'est comme ça que ça marche. Bon, on va lui parler, hein, puisqu'il faut lui parler.
croyais que c'était à lui qu'il fallait que je parle. Bon, par contre, là, je me trouve ridicule. Est-ce que je pourrais remonter? Ah, je suis à genoux. Ah. Bon, faut que je lui parle à lui. Ça, c'était du bon boulot sous pression. Vous avez déterré l'artefact, non? Ça veut dire que vous avez vu une vision. Vous êtes avec moi à Constellation. Vous faites partie de tout ça maintenant. Alors, si Constellation peut me dire ce qu'est cet artefact, j'accepte. Si vous comptez m'emmener loin, je vous suis. Oh là, attendez, je n'ai rien demandé de tout ça. Ouais, on va peut-être commencer par le début. Ah ouais. Après cette attaque, on va devoir remballer et aller voir ailleurs. Argos enverra quelqu'un nous récupérer. Allez, partez, avant que je m'éponge trop. Alors, appuyez sur B. Pour comment? Tu y vas? T'as compris rien en restant là?
Ouais, moi aussi, j'arrête pas de tourner. Je sais pas comment vous avez fait pour garder votre calme. Ok. D'accord, on revient sur le truc. Il est où lui? Il est là? Bah tu viens pas? Il semblerait que vous soyez le nouveau capitaine d'alarme. Ne l'écoutez pas, capitaine. Si vous me cherchez, je serai dans la baie de Santiago Bonito. Ah ok. Capitaine, j'imagine que vous avez mis le meilleur vaisseau de classe A. Comme un ami le dit souvent, c'est comme apprendre à faire du vélo. Je vais essayer de renforcer les boucliers, au cas où nous rencontrions des difficultés. Eh bien, salutations. Ouais, je vais pas piquer ce qu'il y a dans le V, enfin pas tout. Ok. La plante, je vais la laisser quand même. Extincteur, on en aura peut-être besoin. Allez. La casserole, on va la laisser. Erwin.
Alors, c'était où déjà? D'accord, il y a deux stations spatiales autour de cette planète. Une station de recherche. Pharmacologie, boissons et alimentation. Avant-poste. Équipement. Armement. Mode canon. Mode poignée. Mode lunettes. Mode de lunettes. D'accord, c'est comme ça que ça marche. Fer nickel, aluminium nickel, aluminium, d'accord. Mode casque. Tungstène, cosmétique, polymère. D'accord. Polymère, j'en ai. Ok, fabrication. Je peux rien faire pour l'instant. Donc ça, c'est un atelier en fait. Et ici, c'est quoi? Rien. Ok. Strapontin. Strapontin. Non, l'extracteur, on veut le laisser quand même. Je vais lui piquer tous ses croque-pottes. D'accord. Je sais pas pourquoi ça tourne comme ça, c'est chiant. Bon, voyons voir un peu le décollage. Y pour décoller. Ok. Je peux vous guider
Alors, sélectionner le système. D'accord, moteur, bouclier, AS, c'est quoi AS, M? D'accord. À une certaine cadence, le moteur du vaisseau rend les virages plus maniables. Essayez d'ajuster notre vitesse en tournant. Sur l'ATH du vaisseau, vous remarquerez un indicateur de vitesse dans le coin inférieur gauche, doté d'une jauge qui monte et descend en fonction de votre accélération. Essayez de centrer la jauge afin qu'elle s'aligne avec le milieu des barres verticales à sa droite. D'accord. Vous pouvez utiliser la fonction turbo pour gagner temporairement en vitesse. Ouais, c'est pas terrible, hein. Ouais, je suis déjà mort. Je suis vraiment nul moi en vaisseau de l'espace. Hein. Tout ce qui est combat là, c'est une horreur. Maintenant que nous sommes
peux vous guider le long de ce processus. Si vous savez déjà piloter un vaisseau, alimenter les systèmes, ils pourront nous mettre en route. Chaque système à bord d'un vaisseau nécessite de l'énergie. C'est vous qui choisissez comment la répartir. Vous avez un certain talent pour le pilotage, mais qu'en est-il de vos connaissances en combat de vaisseau? Ok. C'est bon. Je me suis trompé. Ah, c'est laborieux. Thank you.
Oh, ça va pas. Mais non. Ouais, je suis en train de mourir. Alors par contre, je comprends pas comment tu ramasses les... Oh la vache, ça va être chaud quand même. C'est quoi ces trois trucs là? D'accord, c'est comme ça que ça marche.
Ok, ça on l'a récupéré. Il y en a encore deux autres. Il y en a un dernier qui est là-bas. Ok, je comprends mieux, d'accord. Ah, il faut du temps, mais ça va finir par rentrer. Un peu merdé, là. Hop, c'est bon, on a récupéré. Et là maintenant on peut aller sur notre objectif. On peut accélérer le voyage? D'accord. Voyage rapide. La coque, elle remonte. Non, je me suis encore... D'accord, on peut pas atterrir par nous-mêmes, faut passer par... D'accord. Temps de chargement. En fait, c'est que des transitions. Bon, ça aura pas été folichon. On va regarder si on peut lancer un truc. Pharmaco. Alors pharmaco, il y a quoi? J'ai rien. J'ai rien. Rien non plus. Fabrication industrielle.
J'en ai qu'un. Fait quoi ce robot? Ah, oh, polymère, j'en avais. Hein. C'était les gobelets. Hein. Il m'en manque un. Le casque, c'est le plus important. Ah, j'ai tout. Donc ça c'est verrouillé. Donc tout ça on l'a terminé, 100%. Ok. Fabrication industrielle, on a réussi. Bon, pour l'instant, on est bloqué. Ouais, non, je peux pas. J'aurais peut-être dû me focaliser sur la combinaison, par contre.
on a fait avancer certaines choses. C'est pas ça que je voulais faire. Ça, je vais pas y toucher.
ça récupère rien. Ouah la vache. D'après les relevés, le centre de recherche abandonné est dans cette direction. Ouais, c'est chaud. Bon, je pense que je vais vous laisser là. Ok, tu récupères en rien en fait. Bon, rien du tout. Ok. Bon écoutez, je pense qu'on va se quitter là. Hein. On a vu ce qu'on avait à voir. Bon, moi le problème c'est que mon système est aussi un peu pourrave. Donc en gros. Je peux pas sortir. Ah voilà. Terminé. Activité, mission, divers, faction principale, tout. D'accord. Je vais pas pouvoir partir tout de suite. Ah, c'est l'horreur. Tu fais comment là pour sortir? Compétences, carte stellaire.
Ah, voilà. Alors, sauvegarder. Bon, on va se laisser là. Vous avez pu voir un peu avec mon expérience à moi et ma configuration. Je suis désolé, hein, la configuration elle est vraiment aux F. Donc en gros, voilà, c'était mon expérience un peu de Starfield au deuxième jour. Hein, on est le 2 septembre là. J'espère que ça vous permet de voir un peu. Alors attention, si vous avez une 1060, c'est même pas la peine. Hein, comme vous voyez, je galère. Nvidia 1060, c'est vraiment le fond du fond là. Ma config à 10 ans, donc évidemment. Après, en dehors de ça, mon sentiment, c'est que je trouve ça moins abouti qu'un No Man's Sky, dans le sens où c'est plus beau esthétiquement, encore heureux. Après, techniquement, je trouve que c'est moins abouti que No Man's Sky, qui nous permet vraiment de sortir et de rentrer dans les atmosphères. Là, c'est pas du tout le cas. Au niveau du pilotage, c'est un peu poussif. Bon, après, il fallait comprendre aussi qu'il y ait certaines touches pour appuyer, enfin pour avancer et tout le reste. Je restais en statique, c'est pour ça que je me suis fait exploser. Ouais, même au niveau des sensations de combat, et alors le fait de partir dans tous les sens, mais ça je pense que c'est ma config, ça m'a un peu gavé. Je vais essayer de voir ce que je peux faire pour la config, et peut-être qu'un de ces quatre, je ferai un let's play sur ce jeu. Mais pour l'instant, en tout cas, ma config ne me le permet pas. Bon allez, je vous laisse, j'espère que ça vous a été utile. Donc c'est le dernier jeu Bethesda en vogue, Starfield. Pour l'instant, ça démarre mollement, je peux pas vous en dire plus. Hein. J'ai vu que comme vous, il va avoir du craft, il va avoir de l'exploration, il va avoir de l'aventure. On verra bien. Après, comme je vous dis, ce qui est combat, c'est mou, que ce soit dans l'espace ou que ce soit sur le sol. Et ce qui me déplaît aussi, c'est les temps de téléchargement. On a vraiment beaucoup de temps de téléchargement. Et ça fait laguer assez facilement. Bon, allez. Salut, bye bye tout le monde. Au revoir.